Pour crafter mes meubles en carton, j'ai longtemps utilisé du papier craft gommé. Alors ça, c'est un rouleau. Et en dessous du papier, en fait, vous avez de la colle. Donc il suffit tout simplement de mouiller ce papier craft, ensuite de l'appliquer sur les bordures de votre meuble en carton. Moi, j'ai utilisé ça pendant très longtemps. Et franchement, c'est déjà, j'ai du mal à en trouver parce que j'habite à la campagne. Et en plus, bah, il est chiant à utiliser, quoi, parce que on humidifie partout. Moi, je travaille dans mon appart, donc c'est pénible. Donc, ce que j'ai fini par trouver, une fois en allant chez Action, j'ai trouvé du papier craft. Il est déjà autocollant. Et ça m'a changé la vie. Parce que bah, j'ai pas les. Enfin, je suis pas congelée en hiver. Avoir les mains dans l'eau toute l'après-midi. Celui-là, je le plaque. J'ai tout le temps de le travailler parce que, évidemment, le papier craft gommé, lui, il séchait. Et celui-là, bah, en fait, il sèche pas. Vous avez le temps de faire vos petites découpes, bien plaquées, etc. Et vous avez, voilà, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble.